Des sons étranges s'échappent du conservatoire de Dieppe tous les matins. C'est l'échauffement quotidien des stagiaires du festival, l'Académie Bac. Une soixantaine de chanteurs amateurs travaillent leurs cordes vocales pendant une semaine pour se perfectionner ou simplement s'initier. Je ne chante pas. D'ailleurs, je chante assez faux, au naturel. Et il faut vraiment toute la pédagogie des deux professeurs pour me faire progresser. Au programme du stage, des chants médiévaux et religieux, pratiqués en chœur 6 à 7 heures par jour, presque une thérapie. Quand on exprime sa voix, on se sent meilleur et ça aide dans la vie quotidienne de chanter et d'oser s'exprimer, faire du bruit. Le répertoire, composé uniquement d'œuvres anciennes, a été choisi par la chef de chœur pour être le plus proche possible de la programmation du festival. Ils vont assister au concert et donc ça leur permet d'avoir des clés d'écoute supplémentaires quand ils vont écouter le concert parce qu'on aura travaillé de la musique proche, enfin du même style. Et ils ne seront pas que spectateurs. Ces chanteurs se produiront sur scène plusieurs fois pendant le festival. Une formule unique en son genre. On a pris l'habitude que la culture soit un objet de consommation. C'est-à-dire qu'on vient payer sa place, on écoute, en général très attentivement, on applaudit puis on s'en va. Mais je trouve que la musique avant tout, puis les arts en général, c'est avant tout de la pratique. Premier concert des stagiaires ce soir à 21h en l'église de Varengeville-sur-Mer.